Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées, de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs, le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et nous entamons le mois de avril. Nous sommes lundi 3 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Avant de commencer, j'attire de bonnes relations et de bonnes personnes dans ma vie et je m'entoure facilement de gens positifs et sains. J'ai pris le tarot « La sagesse des anges », magnifique tarot de Valentine Radlegg, et on terminera avec un message du petit oracle des anges gardiens. Pour aujourd'hui, j'ai
puis j'ai le 2 de feu. Et c'est une carte qui est dans la suite de feu et qui parle de créativité, de passion et de carrière. Le 2 de feu, passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Pour certains d'entre vous, eh bien, tout votre travail que vous avez effectué jusque maintenant va porter ses fruits. Vraiment, en fait, c'est le moment de redoubler d'efforts et de passer peut-être à la vitesse supérieure si vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui. Vous avez pris des risques jusque maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, les risques vous ont réussi. Et on vous invite à continuer. Et de tout ce que vous avez entrepris, on vous demande aussi d'examiner de près ce qui a marché pour vous dans le passé et garder des leçons de ce que vous avez passé, de ce que vous avez vécu. Il est aussi possible que le développement signifie pour vous, eh bien, peut-être d'employer du personnel si vous avez une entreprise, ou peut-être aussi nouer un partenariat. Ou même, peut-être, certains d'entre vous, vous avez envie de prendre des cours, peut-être faire un cursus dans le domaine que vous aimez, dans le domaine sur lequel vous travaillez, peut-être, n'est-ce pas? Tout ça, c'est bon, hein? Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas nécessairement d'affaires ou de carrière, mais de tout ce qui vous passionne en premier lieu. Hein? C'est la passion, c'est une carte de créativité, de passion, hein, qui amène à une carrière, à une belle carrière. Hein? Alors, on peut voir hein, sur la carte en bas à droite le chiffre 14 en romain. Et c'est la carte de la sagesse, c'est une carte majeure. Et c'est le message d'équilibre qui nous rappelle, n'est-ce pas, qui vous rappelle eh bien, la puissance que peuvent avoir des personnes issues d'horizons variés, hein, qui mettent leur effort en commun. Et vous pouvez faire appel à l'archange parce que cette carte représente l'archange Zadkiel. Eh bien, cet archange peut vous aider à combiner vos idées pour des résultats éblouissants, des résultats qui seront à la hauteur de ce que vous espérez. Et bien voilà, ça c'est pour le tarot La Sagesse des Anges. Et on termine avec le petit oracle des anges gardiens. Et j'ai pigé éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi. Rayonne. Tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Waouh, c'est un beau message, n'est-ce pas? Des anges gardiens. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous en douceur, n'est-ce pas? Prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de ceux qui vous entourent. Et puis moi, je vous embrasse. À demain.